Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un pulsant de flèche enflammée. Alors, je remets en mode. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons faire un court-circuit. Alors, je vais placer les répéteurs. Deux de ce sens-là et deux de l'autre sens. Ça, vous savez le faire, je pense. Puis il en reste un dans chaque côté, comme ceci. Puis une torche de redstone qui doit toucher la redstone. Puis je la pète, je la casse, c'est pareil. Puis là, je vais détruire la redstone et la remettre très rapidement. Voilà. Et puis maintenant, je vais mettre un bloc là. Et j'ai oublié de prendre mon distributeur. Voilà. Puis on va le remplir. Tchac, tchac et tchac. Voilà. Bon, maintenant on va mettre de la lave. On va prendre un bloc pour le mettre en hauteur. Va péter. Alors on met un bloc, on va le monter à les 3 de hauteur, hein. Comme ça, pareil pour l'autre côté, puis on le relie, et c'était pas au bon endroit que je l'ai fait. Maintenant, on va casser là où je me suis trompé. Puis on va mettre la lave en haut. Comme ça, on peut le casser, ça ne sert plus. La lave, on la met. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, si vous voulez le garder, c'est... Et maintenant, on met la redstone ici pour lancer les flèches. Et ça vous lance les flèches enflammées. Voilà. On va couper parce que sinon ça bug. Et je suis dans la lave. Vous devez rien y voir. Moi, je vais aller dans la cave pour conclure. Et ben voilà, c'était pour le pulseur de flèche enflammée. J'espère que ça vous a aidé. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à aimer. Et si vous avez adoré, à partager. Et puis. Je vous aurais fait une dédicace aussi à XRProd qui fait des super vidéos sur les jeux d'Xbox. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Allez, au revoir. Ah là là.